السلام عليكم. السلام عليكم أزول بون سوار. Les relations algéro-françaises n'en finissent pas de se dégrader. Après les déclarations du président français sur la fragilisation du pouvoir algérien par le Hirak, sur la nature politico-militaire du régime, sur la restriction drastique des visas pour les membres du même régime et leurs familles, et autres problèmes qui fâchent, ont été perçus par les barons algériens comme autant de casus belli. Branle-bas de combat donc au sommet du régime algérien. Rappel de l'ambassadeur algérien à Paris que le régime fera revenir par la suite par la Châtière en catimini en le nommant à Monaco, mais qui continue de résider à Paris dans la résidence officielle de l'ambassade. Escalade et hystérie médiatique, menace ouverte d'interdire l'usage de la langue française dans les ministères et autres sottes d'humeur du genre. Côté français, on n'allait pas en rester là, malgré les appels à l'apaisement. Une escalade en cadence, puisque l'opinion publique est informée qu'une trentaine de diplomates sans véritables attributions, des diplomates algériens, ont débarqué dans les représentants diplomatiques algériens. Que plus de 1100 enfants de la nomenclature algérienne sont scolarisés dans le lycée français d'Alger. Et qu'une très forte pression est exercée sur les autorités françaises concernées pour en faire admettre d'autres, soit 20 demandes pour une place offerte. Puis, cerise sur le gâteau, un article est publié sur l'AFP qui traite sur un ton inusité jusque-là de la tragédie des Harragas algériens. Ce qui a tout aussitôt provoqué une réaction très forte du pouvoir algérien. Un article dont le titre est en soi tout un programme. Je cite l'article de l'AFP, hein, bien sûr. Je cite, « De l'Algérie à l'Espagne, les Harragas prêts à mourir en mer pour ne pas rester au pays. » Fin de citation. Nous allons demander dans un petit instant à Chaban de nous en dire plus sur les déclarations des uns et des autres et les réactions qui s'en ont suivies.
Algérie, un article de l'AFP sur les haragas met le feu aux poudres. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Mourad Yersah, consultant senior en système d'informatique, membre d'informatique ou d'information ? D'information, pardon. Ouais. Membre fondateur du CCAF PAX, Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Mourad Yersah, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir aux invités, bonsoir à tous les auditeurs. Merci. Samir Yahyaoui, architecte, analyste politique. Samir, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Nous allons bientôt être rejoints par Mohamed Ben Issa, militant politique, et Chaban Qassi est avec nous, qui va donc nous faire part de ce qui a été dit par les uns et les autres. Bonsoir à Jamaldi, nos invités, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voici donc l'article de l'AFP, l'agence France Presse. C'est aussi un article qui a été repris par plusieurs grands médias français, mais pas que, notamment à l'international, mais aussi en Europe. Donc voici le titre, vous le citiez tout à l'heure, Jamaldi, de l'Algérie à l'Espagne, les haragas prêts à mourir en mer pour ne pas rester au pays. Extrait de l'article de l'AFP toujours. C'est une Méditerranée calme et lisse qu'une cinquantaine de bateaux fendent ce dimanche d'octobre, chargés de haraga, ces Algériens de plus en plus nombreux à rejoindre l'Espagne au péril de leur vie pour fuir le désespoir. Voilà ce que dit Khaled, un jeune de 21 ans. « Je préfère mourir en mer que de rester en Algérie. » Les yeux cernés et ses nikes mouillées et pleines de sable, il vient d'arriver sur une plage d'Almeria dans le sud-est de l'Espagne après une traversée nocturne de 6 heures et de près de 200 km depuis Oran au nord-ouest de l'Algérie. Plus loin dans l'article, on peut lire « Au moins 309 migrants, dont 13 enfants, ont perdu la vie en Méditerranée occidentale depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations ». Encore plus loin, Jamaldine, dans l'article, le nombre d'Algériens arrivant sur les côtes du sud-est de l'Espagne ou des îles Baléares a bondi ces derniers mois. Un document interne des autorités espagnoles consulté par l'agence France Presse indique que 9664 Algériens sont entrés clandestinement en Espagne depuis le début de l'année, soit 20% de plus qu'il y a un an. Selon l'agence européenne Frontex, ils constituent la première nationalité à entrer clandestinement en Espagne et la troisième en Europe. Toujours plus loin dans l'article, un nouveau phénomène de haraga familial, avec des femmes, des bébés, des femmes enceintes et des personnes handicapées qui nous renseignent sur le degré de désespoir en Algérie, analyse notamment Saïd Salhi, président de la Ligue algérienne des vice-président pardon, de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Selon l'ONG, Save the Children affirme avoir pris en charge plus de 100 enfants arrivés en septembre sur les côtes d'Andalousie, région où se situe Almeria. Plus loin, voilà ce que dit notamment ce jeune de 21 ans, Khaled Dih. Il juge ne pas avoir eu d'autre choix, car en Algérie, le salaire est tellement bas qu'une journée de travail ne te garantit même pas un repas le soir, même si avec du recul, il conseille à ses compatriotes de ne pas risquer leur vie comme il l'a fait lui-même. Alors bien évidemment, vous le disiez, ça continue, la réponse d'Alger. À commencer par le journal L'Expression, qu'on ne présente plus. Voilà le titre du journal L'Expression, je cite, « Appelant l'agence française au respect de l'éthique et la déontologie, Belhimel met en garde l'AFP ». Poursuit donc derrière, ça va être le débat de ce soir aussi, l'APS sur un ton tout aussi vitriolé. Voici le titre, Algérie 2. Le ministère de la Communication appelle l'agence France Presse à cesser immédiatement sa campagne hostile contre le pays. Donc c'est le titre de l'APS. En voici quelques extraits. Face à ces dérapages récurrents et ces dépassements rejetés en bloc, nous exigeons fermement de l'AFP un arrêt immédiat de sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie, sous peine de non-renouvellement de l'accréditation et son interdiction d'exercer en Algérie sous quelque forme que ce soit, a conclu le communiqué. Je poursuis, toujours le communiqué de l'APS. L'AFP vient une nouvelle fois prouver son acharnement contre l'Algérie en s'écartant clairement de la pratique médiatique et journalistique et en se dénuant de crédibilité, d'objectivité et d'éthique déontologique de la profession.
Ce n'est pas terminé, Jamel Dine, voilà ce que dit toujours l'APS. L'AFP qui est devenue porte-parole... Je rappelle que l'APS reprend les termes du communiqué du ministre de l'Information et de la Communication. Tout à fait, oui. Exactement. L'AFP, voilà ce que dit l'APS, toujours. L'AFP qui est devenue porte-parole de lobbies connus et de cercles officiels qui nourrissent une hargne envers l'Algérie, s'est également érigée en tribune cautionnant des thèses terroristes et un espace ouvert aux voix étrangères ayant une haine viscérale à tout ce qui est algérien. Le flux, donc je continue, hein, je cite hein, toujours, le flux de dépêches mensongères et la désinformation diffusée par cette agence, donc l'agence France Presse, à des fins subversives, ainsi que ses démarches incessantes pour entacher l'image de l'Algérie et entamer sa réputation, sont autant de preuves qui traduisent son orientation douteuse et abjecte. Mais peut-être faut-il préciser au ministre de l'Information, donc qui menace clairement hein, de retirer l'accréditation pour les journalistes de l'AFP d'exercer en Algérie, que l'article sur les Halaga a été rédigé en Espagne par des journalistes français qui ne vivent pas et qui ne rédigent pas en Algérie. Ce sont des articles que vous pouvez retrouver publiquement sur le site de l'AFP et sur le site de l'APS. Nous n'avons rien inventé ce soir. Merci Chaben, merci bien. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser vos notes ? Cadeau. Merci. Alors, mes chers amis, donc voilà un article de l'AFP. Vous en avez entendu quelques extraits. Est-ce que c'est là une campagne de propagande mensongère que de reprendre les déclarations, les propres déclarations du Harag ? Qui a dit, voilà pourquoi j'ai... Est-ce que c'est mensonger? Est-ce que ça vaut un tel déchaînement, j'allais dire, d'hystérie c'est incroyable, on se croirait en guerre, à votre avis? Ouais, je pense qu'on l'avait déjà dit dans une émission ici, on avait constaté qu'effectivement il y avait une dégradation de la situation en Algérie, qu'il y avait, et que cela, une dégradation qui s'exprimait à plusieurs niveaux, au niveau sécuritaire, au niveau donc de la vie tout court en Algérie, la situation économique, la situation sociale, la situation au niveau de l'éducation, le nombre d'étudiants qui aujourd'hui donc viennent pour étudier en France. Cette année, il y a une augmentation à ce qui paraît autour de 25% par rapport à l'année dernière. Dégradation du point de vue donc de la santé, la prise en charge des gens. Et on a vu effectivement le manque d'oxygène pour les gens qui étaient touchés par le corona. Donc il y a eu une dégradation d'une situation politique, sécuritaire, économique, sociale, médicale, etc. en Algérie, qui fait que, bien entendu, la conséquence, et on a vu donc ce nombre d'Algériens qui prennent le risque de mourir en Méditerranée, ont vu donc de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. Ce sont des faits. Il ne s'agit pas de donner crédit à l'un ou à l'autre, mais il s'agit de dire les faits. Et tout citoyen honnête, tout citoyen qui veut du bien pour son pays, il doit commencer par premièrement observer avec rigueur et avec objectivité les faits pour pouvoir justement après traiter. Parce que si effectivement, si c'était des gens qui avaient... l'honnêteté de travailler pour le pays, c'est que partant de ces faits, la loi de finances de cette année doit absolument, c'est-à-dire que les indications des dirigeants du pays pour élaborer la loi de finances, il doit y avoir un paragraphe pour dire il faut absolument que cette loi de finances intègre le fait que nous avons des milliers de jeunes qui quittent le pays. Et donc on doit absolument trouver le moyen de traiter ce fléau, parce que c'est un fléau. Ce sont des centaines d'Algériens qui meurent et ce sont des milliers d'Algériens, donc des forces de travail, des gens qui normalement donc ont leur place dans le pays pour travailler, qui fuient le pays. Donc au lieu que ça se transforme sous forme donc d'une réflexion, d'un plan de travail, comment traiter positivement donc ce phénomène, bon, on rentre dans des polémiques stériles qui nous... c'est une honte. Moi, personnellement, oui, moi, je ne me retrouve pas, personnellement, en tant qu'Algérien,
Je me retrouve mais pas on dans sent cette, comme dans cette polémique. On sent comme une panique quelque part. C'est une réaction irraisonnée. Je pense que ça, c'est, ça dénote ensuite. Donc deuxième niveau, c'est que s'il y a ce niveau de réaction, donc parce que il y a un ordre qui est donné et donné à une agence de presse, donc de ne pas faire son travail. Sinon, c'est de la panique. Au risque de lui retirer l'accréditation. Oui, donc, c'est des menaces. Quelqu'un qui menace, c'est quelqu'un qui a peur. Et quelqu'un qui a peur, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Et bien entendu, on l'a dit effectivement, c'est un régime qui n'est pas fort du tout. C'est un régime qui est faible, qui ne repose que sur du faux au niveau de l'information, des faux au niveau des statistiques, des faux au niveau donc de la communication, des faux au niveau de, y compris les immeubles qu'ils construisent. La majorité, c'est sur des faux. Donc, on peut comme ça en parler. Et c'est la faiblesse d'un système après 60 ans d'indépendance. Il était beaucoup plus fort dans les années 70, 80 que maintenant. Plus il passe du temps. Et plus il s'affaiblit. Et plus il s'affaiblit. Malgré tous les moyens dont il a disposé. C'est vraiment. Il est arrivé à un niveau de sénilité où il voit une menace d'effondrement à partir d'un article. D'un article d'une agence de presse. Alors. Mohamed Ben Issa vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Mohamed. Merci, Jamaldine, pour l'invitation et bienvenue à vous tous les spectateurs et aux invités. Alors, Samir Yahyaoui, je vous relis. C'est incroyable, hein, ce paragraphe, cet extrait du communiqué du ministre de la Communication et de l'Information, etc. Je le cite. Le flux de dépêches mensongères et la désinformation diffusée par cette agence à des fins subversive, ainsi que ses démarches incessantes pour entacher l'image de l'Algérie et entamer sa réputation, sont autant de preuves qui traduisent son orientation douteuse et abjecte. Je vous laisse commenter, sans plus de… – Deux choses, où le ministre de la Communication ignore le fonctionnement de l'AFP, ou il ne l'ignore pas. Et à ce moment-là, il risque, lui, de tomber dans la diffamation. Je m'explique. J'ai pris quelques notes parce que c'est important d'éclairer l'opinion publique sur le fonctionnement de l'agence France Presse. Alors, le financement est à un tiers au chiffre d'affaires et deux tiers aux abonnés. Les abonnés de l'AFP, ce sont tous les médias du monde, y compris l'APS. L'APS paye. Qui sont affiliés au fil. Ce qui fait l'AFP se finance d'une manière complètement indépendante. Ce qui l'empêche d'être soumise à n'importe quel lobby. Mais ça reste quand même une agence officielle de l'État français. Absolument pas. Ah bon? Absolument pas. Les statuts de l'agence France Presse, ce sont des statuts qui font que cette agence n'est pas une agence étatique, contrairement à d'autres agences ailleurs dans le monde. – D'accord, vous me l'apprenez. – Mais je vous le dis, et de sources bien solides, comme tu le sais bien, cher Jamel. L'article numéro 2 des statuts de l'agence France Presse est assez clair sur le sujet, il date du temps de De Gaulle, il a été voté par le Parlement français. Et chaque directeur qui est passé… – Qu'est-ce qui a été voté par le Parlement français ?– L'article 2 des statuts de l'agence France Presse qui assure une indépendance de l'agence et qui fait que cette agence n'est pas une agence étatique. – D'accord. – Et a été voté par… le peuple souverain. Mais si les statuts sont votés par le Parlement. Par le peuple. Les représentants. Exactement. Pas par l'État. Le Parlement, c'est une institution, c'est le pouvoir. Mais ce sont les représentants. C'est le pouvoir législatif. Oui, c'est l'Assemblée. C'est les représentants du peuple qui ont voté. Ce ne sont pas les ministres. Oui, les lois. Ça reste une institution. Absolument pas. Toutes les lois de la République sont votées par. Toutes les lois, pas seulement les. Cher Jamel. Allons-y. Je précise, ce sont même la direction de l'AFP qui
qui m'ont communiqué ces statuts et qui sont assez clairs. Et c'est même la direction de l'AFP, parce que comme je savais que j'allais venir à cette agence, je suis allé chercher l'information et ils sont complètement indépendants de l'État français. Je donne d'autres chiffres. C'est une agence qui travaille avec 1500 journalistes, dont des Algériens. Et cet article... Des Algériens ? Ben bien sûr. Comment de toutes les nationalités. D'accord. C'est-à-dire l'agence France Presse emploie 1500 journalistes de toutes les nationalités du monde. D'accord. Elle est présente dans 151 pays dans le monde, y compris la Corée du Nord, oui, l'Iran, Cuba, partout. Et l'autre chose qui est quand même alors importante... Alors pour apporter de l'eau à votre moulin, je vois ici l'agence France Presse est un organisme autonome, doté de la personnalité civile, et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales. Exactement. Et je vous laisse poursuivre. Je vous dis qu'elle est complètement indépendante de l'État français. La dépêche qui a été faite, elle a été faite en Espagne par des Français et des Espagnols, il faut le préciser. Oui. Et les sujets sont traités d'une façon complètement indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune instruction donnée par la direction de l'AFP ici en France. À partir de là, quand on a dit ces choses-là, nous disons au ministre où il y a une méconnaissance du sujet, ou, attention, c'est lui-même qui risque de rentrer dans la diffamation vis-à-vis de cette agence. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce que si vous prenez le cas de Reuters ou de Associated Press, les agences anglaises et américaines, eux, elles sont financées à hauteur de 80-90% par l'État. Contrairement à l'AFP qui s'assure d'une indépendance totale de l'organisme étatique, comme tu viens de le dire, cher Jamel, de l'État français. Alors, associer l'AFP à une charge contre l'Algérie par le biais de la France, c'est, comme j'ai dit, ou rien connaître au sujet, ou on commence à rentrer Je vais me permettre de citer quelques-unes de ces dispositions. Les statuts de l'AFP disposent de la composition de ses conseils. Le Conseil supérieur compte, entre autres, un représentant des sociétés nationales des programmes. Oui. Le Conseil d'administration, deux. Ces représentants sont des responsables du service audiovisuel public. Public, oui. Radio France, France Télévisions, France Média Monde, Arte, TV5. Ils sont désignés en vertu d'un décret oui, en Conseil d'État, oui, par le ou la ministre chargée de la communication. Oui. Attendez. Mais... Dans le conseil d'administration, trois autres personnes sont nommées par l'exécutif. Oui. Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés respectivement par le ministre des Affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie. Ok. Leur mandat renouvelable, comme pour les autres membres des conseils d'administration et de surveillance, dure 5 ans. Le fonctionnement en quinquennat des mandats présidentiels et législatifs permet, a priori, à chaque gouvernement de choisir au moins une fois des membres de ce conseil. Oui, mais le conseil est beaucoup plus large que ça. Et je tiens aussi à rajouter une info. Oui, mais par autonomie, c'est ce qu'ils vont entendre par vraiment, autonomie. Non, vraiment, là, il faut qu'on insiste. C'est en termes de marge de manœuvre. Absolument plutôt pas. Plutôt que de hiérarchie. Ils n'ont aucun compte à rendre. Ce que j'ai compris du moins, mais je vais creuser ça. Non, ils n'ont aucun, je persiste et j'insiste, ils n'ont aucun compte à rendre à l'État français sur les sujets qu'ils traitent. Ils sont dans une indépendance totale. Je précise même qu'il y a eu des... Ils n'ont pas à rendre compte puisqu'ils sont désignés par le gouvernement, par les ministres, par décret. Non. Là, on mélange deux choses, cher Jamel. Mais on ne va pas traîner dans ça. Non, c'est important. C'est important parce qu'ils sont attaqués sur ça. Ils sont attaqués du fait qu'ils sont liés au gouvernement alors qu'ils ne le sont pas. Non, ils ne sont pas attaqués. Belhamer n'a rien dit de ça. Bras armés. Belhamer, ce qu'il dit, il dit cette agence abjecte, elle est sous les ordres des lobbies. Nous avons bien compris de quel lobby il parle. Oui. Alors, je persiste et sur ça, le conseil d'administration gère l'administratif. Il ne gère pas la ligne éditoriale ni les journalistes. Je termine. Mais Samir, je termine. Non, mais c'est important. Allez, allons-y. Et chaque directeur qui a tenté
je dis bien qui a tenté de changer les statuts de l'AFP votés par l'Assemblée souveraine du peuple, parce que il y a eu des tentatives dans ce sens-là, il a été confronté à des grèves générales parce que les syndicats au niveau de l'AFP tenaient à garder ce statut qui leur assure cette indépendance. Alors, mais vous n'avez pas. C'est très intéressant ce que vous nous avez dit. C'est important. En tout cas, vous avez suscité une curiosité qu'il va falloir mettre sur la table. Nous allons nous y atteler. Mais sinon, vous n'avez pas répondu quand il dit, M. Blehem, le flux de dépêches mensongères et la désinformation diffusée par cette agence à des fins subversives, ainsi que des démarches incessantes pour entacher l'image de la. Est-ce que, par exemple, ces jeunes qui préfèrent risquer la mort plutôt que de rester en Algérie, est-ce que c'est un mensonge à des fins subversives, que chercherait l'agence française presse, France Presse, à nous dire que des jeunes, des femmes, des enfants, des bébés, des familles entières sont en train de fuir leur pays? Est-ce que c'est faux? Si ça entache, selon M. le ministre, l'image de l'Algérie, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il est en train de dire quelque part, oui, notre image est entachée. Objectivement, sans quiconque vienne le dire. Ben, l'article est factuel. On a tendu le micro à des Algériens en Espagne. Il n'y a ni analyse, ni. En fait, tout ce qui a été dit par des Algériens qui sont sur place. C'est une information. C'est une information. Comme j'ai dit, on a tendu le micro à des Algériens. Ces Algériens ont exprimé quelque chose. Et l'agence, l'AFP, c'est-à-dire qui est en Espagne, pas en France, avec des journalistes espagnols et français, ont rapporté une information. C'est ça le travail de l'AFP. Contrairement, en revanche, à l'APS, qui, elle, en revanche, est une agence gouvernementale algérienne. Et si on peut revenir après sur le sujet, pour montrer l'honnêteté d'une agence, il y a même un article de Jean-Charles, j'ai oublié le nom de famille, mais je vais me rappeler, qui a été censuré par l'APS. Oui. J'ai oublié le nom aussi. Je vais le retrouver. Mohamed Benaïssa, votre sentiment sur cette prise de bec, j'allais dire. Prise de bec habituelle dans le contexte par lequel on passe. Moi, je voulais juste dire un mot par rapport à ce qu'il a bien avancé, Samir. L'indépendance dont il parle, elle est effective vraiment dans un cadre de management public. Hein. Ce n'est pas une institution qui dépend d'un ministère, effectivement. Mais elle est dans un écosystème français qui, bien de ce que tu viens de rappeler, comme d'autres, ce qu'on appelle administration ou agence reconnue d'utilité publique, l'exécutif, en général, a la main dessus, comme toutes les radios, la télévision, d'autres institutions en France. Absolument. En général, si. Je vais juste vient te dire sur le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est la ligne éditoriale. On va le laisser poursuivre. Je vais juste finir un truc. La forme juridique. Pardon, Jamel, il faudrait qu'on revienne sur ce sujet parce que nous sommes en train de faire une erreur d'information. Ce que j'ai compris, il est en train de vous dire que la forme juridique, effectivement, elle est privée. Mais il n'en demeure pas moins que l'AFP se trouve sous l'influence de l'État français à partir du moment où les membres sont nommés par le gouvernement. On fait erreur. Il y a énormément d'agences au niveau de la France qui sont reconnues, qui sont le même statut que l'AFP. Hein. On peut citer l'ANRU qui s'occupe de la rénovation urbaine. On va laisser Mohamed Benaïssa s'exprimer. Donc si on considère que l'agence, après c'est pas le notre sujet, mais juste pour fermer ce guillemet, que cette agence, elle est tellement indépendante et qu'elle est autogérée. Donc demain, on peut vendre les actions, les administrateurs peuvent vendre les actions à un État. Demain, la Russie peut acheter la paix. – Parce que les statuts assurent cette indépendance et une tentative de changer les statuts, les syndicats se sont opposés. C'est ça qui est important à savoir. Quand on dit
indépendance totale. C'est que c'est comme un club de foot qui a été racheté par le Qatar. Donc l'AFP demain peut être racheté par le Qatar ou par ce qui est impossible. On a vu juste l'histoire de. Elle peut pas être privatisée. Hein. Juste une seconde. Un autre établissement public indépendant, l'ADP qui est indépendant complètement, qui ont une entreprise privée indépendante. Au moment où la Chine voulait acheter l'ADP de Paris, comment l'opposition française s'est opposée et que cette affaire n'a pas eu lieu. Donc quand on dit indépendant dans un cadre bien défini. Après moi, ce n'est pas ça l'objet la chose qui nous intéresse, parce que c'est l'Algérie, c'est Belhimer et c'est le gouvernement qui a agité ce point-là. – Belhimer dit que c'est la France qui commande mais, ça. – Mais pourquoi la France, justement, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se focalise beaucoup plus sur pourquoi la France actuellement. Il y a depuis un certain moment une déclaration… comme on a déjà l'habitude de voir, hein, d'agiter cet ennemi extérieur qui est la France. Cette déclaration n'est pas isolée. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis maintenant un mois qui dit que le gouvernement algérien est en train d'utiliser cet ennemi extérieur qui est la France pour cacher beaucoup, beaucoup de choses. Donc après, quand on rentre un petit peu dans le détail, on voit que c'est l'hôpital un petit peu qui se moque de la charité, c'est encore grave. Que Belhimer parle de la déontologie. C'est des histoires à raconter à des, je ne sais pas à qui, mais que Belhimer, quand il veut calquer un système de gestion des médias algériens qui sont tous les jours dans la diffamation, tous les jours dans la manipulation, et qui veut calquer ça sur un média ou sur n'importe quelle agence en France. Rappelons-le, la dernière film ou je ne sais pas, documentaire à France 24 qui a été il y a un an, l'Algérie a rappelé l'ambassadeur français pour contester contre un film ou un truc diffusé sur France 5. Qu'est-ce qu'il a dit l'ambassadeur? Il a dit en France les médias sont libres et on ne pourra à aucun moment intervenir. Donc regardez dans quelle mesure, justement, je vais juste finir et je te laisse. Cher ami, c'est que les comptes de l'AFP sont publics. Les comptes de l'AFP sont publics. Ça veut dire qu'on sait d'où vient l'argent. – Mais tous les comptes en France sont publics. – Non ?– Bien sûr. À part peut-être les services qui sont sous le secret d'État. – Tous les comptes sont publics. Ils sont consultables par n'importe quel citoyen. – Si vous avez une société, tout de suite, je peux demander… – J'aimerais bien qu'on puisse lire les articles de… – Donc, j'aimerais… – Je voulais juste finir. – Oui, oui. Kamel Mohamed… – Je voulais juste finir, juste un mot. Donc, moi, pour moi, le plus important, c'est de parler de ce qui se cache derrière cette déclaration et cette menace. De retirer l'accréditation à l'AFP que de rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que l'Algérie, actuellement, veut vraiment, ou elle déclare vraiment une sorte de guerre, elle cherche sa guerre pour cacher un système vraiment en déliquescence totale en Algérie. Ça a été fait par d'autres systèmes politiques. Hein. On va chercher une guerre à l'étranger pour cacher un petit peu une réalité morose. Donc, je pense que c'est ça la tendance générale du système algérien, la guerre avec le Maroc, avec la France, l'isolement que l'Algérie est en train d'opérer en ce moment est très dangereux pour l'Algérie. Elle va se rendre dans les bras de la Russie, mais la Russie, on sait ce qu'elle a fait en Libye et en Syrie. Le danger, il est là. Alors, j'aimerais que nous ne restions pas trop longtemps dans je vais vous donner la parole. Alors, je veux juste signaler, parce que tu es en train de… Alors, le spécialiste de droit public, Jean Walline, il voit dans l'AFP une personne morale de droit public sui generis. Ça veut dire non dite. Ça veut dire c'est de droit public, mais qui ne se dit pas. – Chaque entreprise alors, est une personne mais, morale. – Mais, non, non, non. – Bah si, une SARL est une personne morale. Non, mais j'ai pas dit. Non, il a dit de droit public. Oui, mais on ne parle pas de la personne morale. Jamais, j'aimerais bien qu'on puisse lire les articles. Mais attendez, on arrive. Des statuts. Attendez, laissez-moi venir parce que c'est. Alors, sui generis, donc qui ne se dit pas. Mais je rappelle que le conseil d'administration de l'AFP, et en plus du PDG, 5 représentants des directeurs de journaux publics, 3 représentants du personnel de l'AFP élus à bulletin secret, 2 représentants de la radio et de la télévision française, ça veut dire public, 3 représentants des services publics, oui. Le ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la culture. Oui, mais ils sont indépendants, ces gens. Oui, mais connaissez-vous des sociétés privées dont les membres sont désignés par des ministres? Mais c'est pas. Mais attendez, attendez. 5 personnes qualifiées, le PDG, la commission financière est composée de 2 membres de la Cour des comptes, oui. Etc., et dans ce genre. Oui. Et.
L'AFP est considérée comme l'une des trois agences les plus importantes au monde, oui, avec Reuters. En quoi ça nous dit qu'elle est dépendante de la France et qu'elle reçoit ses ordres? Il n'en demeure pas moins qu'une société de cette importance, dont les membres sont désignés par le gouvernement. Oui. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ça. J'ai envie de donner un point de vue parce que ça, on risque de faire une émission sur l'AFP. Non, c'est pas. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse lire les articles. Il y a trois choses que je voudrais dire très, très clairement. Premièrement, l'AFP est une institution en France. Est une institution politique, économique, médiatique, etc. Ce n'est pas une petite. C'est pas l'APS. Oui. C'est une institution très importante. Est-ce qu'on peut dire que c'est une institution? Je ne dis pas public ni privé, dis que c'est une institution politique. Dans le sens du poids qu'elle a. Du poids. Elle a un poids énorme. Oui. Elle a un poids mondial, d'ailleurs. Mondial. Oui. Et qui dans les constituants, que ce soit les moyens, les hommes, etc., essentiellement, bien sûr, servent l'intérêt de l'État français. L'État français. Alors, bien sûr, c'est pas une institution qui fait dans la propagande et la démagogie, c'est pas ça. Mais fondamentalement, elle est connue. D'ailleurs, il faut lire un livre qui a été écrit par, je crois, Pierre Fitte, qui était le ministre de la communication de l'époque de Gaulle. Oui. Il a écrit quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, là-dedans, c'est là-dedans qu'on trouve tous les échanges entre De Gaulle dans son gouvernement sur la question de l'Algérie. Et sur la question de l'information, il y avait vraiment des choses très, très, très importantes qui étaient dites à l'époque par De Gaulle et sur les différents. Parce qu'il avait un problème avec les journaux, avec la presse, etc. Et il disait des choses pour justement dire que non, d'accord pour la liberté, d'accord pour la démocratie, etc. Mais avant tout l'État français, citoyen français, doit défendre l'État français. Donc ça c'est une. La deuxième chose c'est que, à mon avis, l'un des critères pour mesurer je dirais, l'objectivité d'un organe d'information. C'est de voir effectivement quelles sont les informations qu'il met en avant et les informations qu'il cache. On est dans l'Algérie. C'est vrai, ce qu'ils disent, l'article qui est publié est un article, c'est un fait. Il n'y a rien à dire. Sur cet article. Moi, personnellement, si je devais écrire un article sur ce sujet, j'aurais été peut-être j'aurais plus développé et j'aurais plus incriminé le gouvernement algérien. Mais n'empêche que j'ai pas vu l'AFP venir couvrir, par exemple, les différents événements majeurs depuis maintenant plus de 2 ans, la diaspora. En France, les citoyens algériens en France ont développé dans le processus révolutionnaire. Ils ont fait des petits articles, mais ils n'ont pas couvert à la hauteur et proportionnellement par rapport à ce que cela représentait. Mais ça, c'est bien sûr parce qu'ils tiennent compte, des relations entre l'État français, l'État algérien, et bien entendu, mais c'est pas, comment dirais-je. Je suis désolé, on peut pas laisser. Oui, non, mais ça. Oui, non, mais d'accord. Je suis désolé. Mais je vais te dire une chose. Non, moi, j'aimerais bien regarder au niveau de l'AFP. Il y a 6 organisations palestiniennes qui viennent d'être interdites par le gouvernement israélien. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir ce que dit l'AFP. 2 organisations de citoyens palestiniens. Ils ont une agence en Israël et en Palestine. Oui, non, mais je veux bien savoir. Non, mais pose la question. Est-ce que l'AFP traite Si je suis sur ce plateau, je dois donner ma position toute indépendance. Mais vous avez le même temps que les autres, d'accord. Vous n'en avez pas plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je dis, on ne peut pas laisser dire ça. Je dis une chose, encore une fois, pour être objectif, je n'ai pas vérifié si l'AFP en a parlé ou non. Mais ce que je viens de dire, c'est un fait.
Je l'ai lu. Elle est... Je l'ai lu ce matin. Je ne sais pas si elle, est-ce qu'elle a rendu compte. Monsieur, moi, alors nous allons donner la parole à Samir. Monsieur Irsa. Et après, on va laisser parce qu'on ne va pas faire l'émission. Mais je ne critique pas l'AFP, il faut la critiquer. Allons-y, monsieur Samir Yahya. Je vais répondre à cette question sur la Palestine. Il y a quatre États qui... Non, Samir, nous n'allons pas répondre à la Palestine. Ah, si. Nous n'allons pas rester sur l'AFP. Non, monsieur, c'est moi qui dirige cette émission. Mais d'accord, mais alors l'émission, elle a un titre, elle a un... Je vais répondre à ça. Et nous allons laisser l'AFP de côté. Ils sont largement embêtés par les Israéliens parce qu'ils donnent assez d'arguments sur la Palestine. Je vais lire juste l'article 1 de leur statut. L'agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude de l'objectivité de l'information. Elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. Je ne vais pas lire l'article 2 parce qu'apparemment on n'a pas le temps, mais on ne peut pas dire que l'agence France-Presse et reçoit des ordres par le gouvernement français. Ce n'est pas une réalité. Il y a une indépendance. Mais c'est vous qui le dites, Samir Yahya. Non, mais c'est une réalité. Mais bon, il y a la réalité théorique et il y a ce qui se passe dans la réalité des choses. Alors, Emel a raison. Mais pardon, le monde en France, juste un petit exemple. Nous n'allons pas faire une émission sur l'AFP, nous n'en avons ni la qualification, ni suffisamment d'informations. J'ai assez d'informations. Mais allez, la prochaine fois, je vous inviterai pour faire une émission sur l'AFP. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler des réactions hystériques du régime algérien et qui fait feu de tout bois contre quiconque, y compris une agence comme l'AFP, dont la réputation de sérieux est mondiale. Pourquoi ? Parce que les journalistes de cette agence ont osé dire les choses, ont osé faire parler à Harak, qui a dit « oui, je préfère courir le risque de mourir plutôt que de rester en Algérie ». On lui reproche d'avoir dit que maintenant il y a des femmes et des enfants et des familles entières et même des handicapés qui quittent le pays. Et donc moi j'aimerais que nous puissions parler de cette posture, de cette attitude du régime algérien qui en arrive à démentir ce qui est vrai et à vouloir empêcher des journalistes de rapporter des faits réels et vérifiés et connus de tous les Algériens. Il n'y a pas un Algérien qui ne connaît pas la réalité des Harraga. Alors, pourquoi ? Est-ce que ce qui le préoccupe, c'est seulement l'opinion internationale ? Il ne veut pas que l'opinion internationale sache ce qui se passe réellement en Algérie, puisque il ne s'inquiète pas du tout de l'opinion publique algérienne, puisqu'elle sait, elle, de quoi il ressort. Je vous laisse en parler, Mohamed Bouaïs. Oui, je pense que c'est le cœur du sujet, hein, en dehors de l'AFP, ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure. Mais voilà, je dirais juste une petite phrase dans le passage, c'est que l'analyse juridique, elle est là, et l'orientation politique, elle est là. Les médias en France, on connaît France 2, médias de gauche, France, je ne sais pas quoi, elle est de droite, France Inter, France Info, donc il y a toujours une ligne éditoriale. Il n'y a aucun média sans ligne éditoriale. Après, quand on rentre dans le fond, pour moi, bien sûr, l'Algérie, à travers ce qu'il dit Belhimer, il veut dupliquer ce qu'il fait à l'intérieur, sur l'extérieur. Exactement. C'est une honte. C'est une honte d'aller vouloir vivre dans le déni dans un monde globalisé, dans un monde de la 5G maintenant, et vraiment, c'est de la folie. Et en plus, pourquoi ils se prennent que à l'AFP ? Il y a un journal qui s'appelle Al-Quds, l'Arabie, je ne sais pas, il a fait tout un article sur ça aussi. Vous pouvez l'afficher, où il parle de Harraga, où il détaille, où il dit que des jeunes Algériens préfèrent mourir que de rester en Algérie. Donc pourquoi on parle pas de ce média ? Et pourquoi actuellement la France ? Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un contexte qui est bien très 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 bien rodé, que beaucoup d'Algériens, malheureusement, c'est ce qu'il faut dire aussi, tombent dans ce piège-là, disent que, oh bah regardez, ce régime maintenant nous protège, regardez ce qu'il fait pour la France. Il ose claquer la porte, il ose interdire les avions militaires français, il ose rappeler l'ambassadeur, il ose
rappeler à la loi ou à un média aussi important ou une agence aussi importante que l'AFP. Donc c'est ça la tendance, c'est ça l'objectif de cette manipulation. Il faut le dire que c'est une manipulation. En plus, c'est honteux pour un journaliste comme Belhimer. Il faut le rappeler que Belhimer est un journaliste qui a milité avant d'être récupéré par la mafia en Algérie, qui a été un opposant. On lui a fermé plusieurs médias dans les années 90. C'était le premier qui a alerté ou qui a osé dire que Bodiev a été assassiné par la mafia politico-militaire. Et on lui a fermé deux ou trois, je pense, médias. Que depuis un certain moment, il s'est rangé, depuis qu'il a lui aussi, il faut le rappeler, qu'il a travaillé pour l'agence qui est, comment on appelle, l'ANEP. Il était responsable commercial de la NEP, celle qui distribue de l'argent pour corrompre les médias algériens. Donc on trouve ça très vraiment honte de la part de Belhimer de parler de l'AFP de cette manière. Le peuple algérien te demande juste d'appliquer les standards et la déontologie du journalisme en Algérie. Oublie la France et l'étranger, on veut juste qu'une chaîne comme le Maghrebia peut s'installer en Algérie. C'est beaucoup. On peut juste que le Hirak peut parler, peut s'exprimer dans les médias publics qui sont financés avec notre argent. Que les autres médias, pourquoi ils ne parlent pas de Al-Hayat, on les cite, le Bilad et tous ces médias-là qui émettent leurs émissions d'où ? De l'étranger. Qui sont sous la loi étrangère, ce n'est pas des médias algériens. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Donc, vous voyez dans quel monde on est ? Voilà. Moi, je pense, je rejoins ce que dit Mohamed. Je ne vais pas répéter, mais je pense que là, c'est l'expression aussi de cette transformation de la nature de ce régime en Algérie qui va de plus en plus vers un État totalitaire, au point où il veut dicter à une agence étrangère. Donc ce qu'elle doit dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Parce que c'est ça qu'il y a indépendamment de la nature de cette agence, que chacun peut avoir son point de vue. Ça, c'est ça. Mais ce que dit ce ministre, ce que dit donc ces officiels algériens à cette agence est totalement inacceptable. Donc il faut quand même se rappeler, moi je me rappelle des années 87, 88, je ne me souviens plus de quelle année, de quel journaliste, qui avait osé dans un journal algérien parler de la dette qui était connue. À l'époque, elle était autour de 17 milliards de dollars. Moi, je me souviens, j'étais enseignant à l'université de Tizi Ouzou, on avait fait un comité justement pour traiter de la dette, pour informer, pour discuter de son origine, etc. Bon, c'était un sujet qu'on traitait avec des enseignants. Il y avait un journaliste qui avait osé écrire là-dessus, il a été arrêté, il a été licencié, etc. Bon, il ne faut pas qu'on oublie aussi que nous avons des journalistes qui sont en prison. Il y a un journaliste qui vient juste d'être libéré, qui était à Taman Rasset. Qui a purgé sa peine et qui a été arrêté pour avoir informer les citoyens de ce qui se passait. Il n'a fait que reprendre exactement ce qui se passait donc à Taman Rasset. Et bon, il y a eu des analystes qui disaient que Taman Rasset, c'est très particulier, il ne faut pas toucher. Mais apparemment, ce n'est pas seulement Taman Rasset, c'est partout, y compris en France. Donc avec ce que vient de... Rappelons que Drarni Khaldrani, journaliste très connu en Algérie, avait été traité, qualifié de balance, Khabarji, par le président de la République, alors que l'affaire était en instruction judiciaire. Ouais. Samir. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rappelons quel est le travail d'une agence de presse. Elle ne fait pas d'articles d'analyse. C'est ça la différence entre un journal comme Le Monde, comme Libération. Elle relate des faits. L'agence, l'AFP, prend des faits et elle fait des dépêches, et elle fait des articles en donnant la parole. Il n'y a pas un journaliste à l'AFP qui vient, qui écrit un article avec une opinion politique bien précise. C'est ça qu'il faut préciser. C'est pour ça que je dis, c'est une agence qui relate des faits, elle donne la parole oui, à quelqu'un. – Oui, mais sans vouloir vous interrompre. Vous faites tout à l'heure, Jamel, contrairement à d'autres invités. – Juste pour vous dire, vous savez qu'une information, on dit l'information est objective, le commentaire est libre. Dans le milieu de la presse, mais dans la réalité des choses. On peut donner une information qui peut sembler objective et qui ne l'est pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux exemple de quelqu'un qui écrit « Un chien a mordu un enfant »
ou l'autre qui a écrit un enfant a été mordu par un chien. Ce qui suggère que l'enfant l'a bien mérité quelque part. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais je vous laisse poursuivre. D'accord. Mais vous vouliez dire quoi en disant ça, cher Jamel? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'information vraiment objective. Ça n'existe alors, pas. Alors, toute information est porteuse, même si elle ne s'affiche pas en tant que telle. C'est le propre d'une opinion donnée. C'est de donner une info. Ça, même alors, revenons, style revenons télégraphique. Revenons à cet article. Oui. Alors, à ce moment-là, si nous partons sur ce principe, nous allons donner raison à Belheimer et nous allons dire que finalement ces jeunes n'ont peut-être pas existé, qu'ils ont été inventés et que cette parole n'est pas la parole de ces jeunes. Mais oui. Là, attendez, je vais vous donner une information que vient de m'envoyer Idir Ounourne pour vous dire que derrière les apparences peuvent se cacher des choses. L'État français finance l'AFP à un niveau de 120 millions donc, sur un chiffre d'affaires, c'est l'instrument discret du soft power de l'État français. Pardon. Oui. Il faut être précis là. Oui. J'ai les chiffres. Allez-y. J'ai les chiffres. Puisqu'on va faire une émission. Non, c'est important. Oui. 120 millions sur un chiffre d'affaires de combien? Combien, oui, Jamel? Non, c'est important. On est d'accord, un tiers. D'accord, après. Sur 350 millions d'euros et le reste est financé par les abonnements. Y compris l'APS. D'accord. Évidemment. Contrairement, mais l'État français finance un tiers. Oui, mais voilà. les deux tiers. Ça veut dire que cette indépendance dont vous parlez, elle n'est pas tout à fait aussi effective que vous le dites. Non, nous précisons. Voilà. Que ce un tiers, c'est le chiffre de cette année, parce que les chiffres avant, dus à la crise, sinon les chiffres d'avant, étaient à hauteur de 80 à 85%, j'ai les chiffres ici, avec les abonnés, y compris encore une fois, l'APS qui assure une totale indépendance. Personne ne peut donner ordre à l'APS de faire une dépêche sur quoi que ce soit. Ils feront les dépêches, ils en ont fait des dépêches sur l'Algérie, ils font des dépêches sur le monde entier. Ils relatent info, il n'y a pas d'analyse. Et pour revenir à ce que dit Belheimer sur cette histoire des Haraga, y a un moment donné, je veux dire, ça devient plus qu'inquiétant d'essayer de cacher une réalité vu au su du monde entier, y compris lui-même. Les vidéos font le tour. Mais il ne veut pas que ça soit connu du monde entier. Que ça soit connu des Algériens, ils s'en fichent. Parce que la vérité, il ne peut pas la cacher. Il faut lui dire qu'on est en 2021. Il ne veut pas que l'opinion publique française, il ne veut pas que l'opinion publique allemande, espagnole, sache la vérité, la réalité du peuple algérien. Alors, c'est ça où le bas blesse le régime. Alors la question qui se pose, ces Algériens, ils arrivent où? En Europe. En Espagne. En Espagne. Alors comment il peut le cacher? Tant qu'il y a, tant que la presse n'en parle pas. Mais la presse espagnole en parle. Je ne vais pas vous apprendre que si la presse n'en parle pas, l'opinion n'en parle pas. Mais le monde entier en parle. Toute la presse européenne, il faut reprendre les titres belges, suisses, espagnols, italiens, français, allemands, tout le monde parle de ça. Maintenant que l'AFP donne la parole à ces jeunes, bon, ça vient juste donner l'info du désarroi de ces jeunes dans leur pays, qui est une réalité. Alors nous allons arriver à des questions des téléspectateurs que nous sommes en train de diffuser en boucle. Hein. Mais aussi j'aurai une question pour vous sur les médias français justement. Alors Mansouf El-Haq, pourquoi réagir officiellement et au plus haut niveau en actionnant tout un arsenal diplomatique pour de simples articles de presse? Bachir Zaidi, le régime de la nouvelle Algérie nouvelle, entre guillemets, qui n'a que la misère, la détresse et le désespoir à offrir à sa jeunesse, est ébranlé par un reportage véridique de l'AFP sur les Haraga. Azine Belmihoub, il n'y a que la vérité qui blesse, leur protecteur a bien compris que la chute de leur larbin est inéluctable. Fyodor Dostoevsky, ils ont caché ce pays depuis 60 ans, en le découpant du reste du monde, ils n'arrivent plus à dissimuler leurs ordures. Hachakoum. Bachir Zaidi, la vérité fait peur au pouvoir algérien qui n'a que la misère, la détresse, on l'a déjà dit. Ali Bekouch, c'est bien de dénuder le mensonge du pouvoir, c'est sur ce registre qu'il faut l'attaquer. Madame Mdemz Amara, j'aurais souhaité que cette presse aurait analysé la révolte du peuple. Si c'était le cas, on n'en serait pas arrivé là. Red Kelly, dire la vérité, c'est connu, ça fait réagir tout le monde. Mais la question que je voulais vous poser, et celle de Mme Zamara justement, j'aurais souhaité que cette presse aurait analysé la révolte du peuple. Si c'était le cas, on ne serait pas arrivé là. Pourquoi la presse française aujourd'hui, qui fait état de tout ce qui est en train de se passer,
qui parle, qui dit les choses, qui démasque le régime de façon très vraie. Hein, il n'invente rien. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait durant le Hirak? Pourquoi n'a-t-elle rien dit de ses généraux durant la décennie rouge et après? Pourquoi n'a-t-elle rien dit des années Bouteflika, de la prédation, de la dévastation, du saccage de tout un pays? Pourquoi maintenant? Oui, je pense que, premièrement, quand on observe le comportement des médias français par rapport aux autres événements, aux autres révolutions qui ont traversé d'autres pays, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on voit effectivement que le traitement donc, de la révolution algérienne, parce que le Hirak, c'est une vraie révolution qui a commencé donc le 16 février 2019 et qui continue toujours. Ce traitement différencié, à mon avis, c'est un point de vue politique. Il n'est pas donc objectif, il est subjectif, bien sûr. Il part du principe que oui, j'ai un point de vue subjectif en tant que militant politique. C'est parce que les intérêts de l'État français passent avant la vérité, passent avant la recherche de la vérité. Et ça, on l'a constaté. Et donc constaté. L'État français contrôlerait la presse. C'est-à-dire qu'il peut lui dire non, ne faut pas parler de l'Algérie. Mais le contrôle. Oui. Vous êtes en train de nous dire. J'y arrive. Oui. J'arrive doucement. Il y a pas de. On est obligé d'y arriver. D'accord. Pour la simple raison, c'est que quand vous avez une manifestation, le 1er novembre 2020, il y avait presque 100 000 Algériens qui ont défilé à Paris en commémoration du 1er novembre, mais qui étaient inscrits sur un autre registre. Ouais. Pas celui de la fête ou celui de la haine ou quoi que ce soit, mais celui de la réappropriation de cette date symbole et de l'inscrire dans effectivement les exigences du peuple algérien en Algérie pour se passait à Paris pour parachever cette indépendance par bien sûr une indépendance nationale, une vraie indépendance nationale et la souveraineté du peuple algérien. Il n'y avait pas eu une ligne. Il n'y avait pas de journaux qui sont venus. Rien. On a fait des déclarations. Le comité de citoyens algériens en France. On a fait au moins, depuis février 2019, on a fait au moins une quinzaine de déclarations. Mais jamais elles ne sont reprises. Jamais. Jamais l'un de nous, j'ai été interviewé deux fois par deux médias français. Je ne vais pas en parler. Mais à deux reprises, c'est jamais passé. Alors bon, donc c'est vrai, vous donnez bon exemple. Mais 1er novembre 2019, c'est une très grosse manifestation. Mais c'est énorme. Il n'y a rien. C'est quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu. Et maintenant, pourquoi à Paris. Ils en parlent? Mais un événement. Ouais. Écoutez-moi. Avant d'arriver là, voilà plus de deux ans. Il n'y a pas en France, il n'y a jamais eu un événement comme celui-là en France. Oui. Pendant deux ans. Des militants, des citoyens d'une communauté, donc d'Algérie, qui viennent d'Algérie, occupent la place de la République. Chaque semaine. Bien ou mal, ça c'est autre chose. En tout cas, dans le pacifisme. Mais chaque semaine. Dans toute leur diversité, ils ne s'entendent pas, c'est vrai, il y a des divergences, c'est vrai, mais ils sont là. Oui. Il n'y a jamais eu un seul blessé, jamais. Oui. Ils débattent, etc., point de vue contre point de vue. Il y a un média qui vient un jour pendant une semaine faire des reportages et dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un événement majeur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quel est l'impact sur les citoyens algériens en France, etc. Il n'y en a pas. Donc, bien entendu que toutes les presses du monde, pourquoi on parle donc des médias comme étant un quatrième pouvoir? Pour quelle raison? Ben, c'est pour la simple raison, c'est que c'est un vrai pouvoir et il est trop sérieux pour être laissé totalement indépendant des États. Il n'y a pas un pays qui n'intervient pas d'une manière, d'une certaine manière. Des États manière. Ou des lobbies, des malheureusement. Non mais les États interviennent en France, c'est d'une façon ou d'une autre. En France, c'est comme un l'a état, dit le soft power. En France, c'est un État capitaliste. C'est un État capitaliste. La classe dominante, c'est les capitalistes. Oui. Et les capitalistes contrôlent les médias et ils le contrôlent dans l'intérêt de l'État capitaliste français. Pourquoi maintenant cette soudaine
objectivité de la presse française qui se met à nous dire des choses sur le régime algérien. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Le 1er novembre a été couvert par France 24, par TV5, par France Inter, France Culture, Radio France, France Info et l'AFP. Alors, première nouvelle, franchement. Non, j'ai été même moi sur un plateau de France 24. J'aimerais bien que vous nous envoyiez les images ou les articles de presse. Évidemment. Parce que le 1er novembre, vous parlez de la grande marche de avant le Covid. Hein. 2019. On est d'accord. Alors, 2019. Oui. 1er novembre 2019. Oui. 2019. Oui. 80 000 manifestants. Je reprécise, comme ça tout le monde va l'entendre. D'accord. France 24, TV5, Radio France avec toutes ses chaînes, France Info et l'AFP. Et nous allons vérifier aussi. D'accord. Très bien. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai vu sur un plateau. Je t'ai vu sur un plateau. Oui. Je t'ai vu sur un plateau. Oui. Il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Non, il non, j'étais d'une info. Non, non, je t'ai vu sur le plateau, effectivement. L'objectivité aurait bien sûr d'un média aurait invité des représentants qui ont organisé cette manifestation. Qui ont passé. Je faisais partie. Oui, oui, non, mais je sais, puisque je sais, puisque j'y suis. Oui. Donc, quand même, je suis parmi les principaux rédacteurs de la déclaration. Du coup, donc, quelle est l'info ? Jamais, jamais, ils n'ont invité d'autres personnes pour venir débattre. C'est-à-dire des points de vue, parce que c'est quand même. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur non, ces plateaux-là. Non, 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 mais, non, non, mais, non. Mais ça ne fait rien. On va voir. C'est très bien. Je vais demander à Chaben. Moi, je ne fais aucun reproche. Mais on va laisser poursuivre. C'est pas pour toi que je fais un reproche. On va laisser poursuivre. Mais j'aimerais que Chaben essaye. Vraiment, vraiment, j'étais content que tu passes. J'aimerais bien que Chaben vérifie ce que vient de nous dire Samir. J'aimerais le dire. C'est vrai. Tu passes sur France 24. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. D'accord. On invite. On beaucoup invite de personnes, oui. Oh, non, pas beaucoup. Si, si. Non. Il y a ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je comprends pas quel est le sujet. C'est pas grave, non. C'est une information. Oui. Donc vous nous avez dit. Nos passages sont. Dis-moi, Ben Aïssa, est-ce que tu as été invité par France 24 Récemment. Voilà. Alors, j'aimerais que vous. Oui, alors. Vous nous avez dit que ces médias ont couvert le 1er novembre 2019. Évidemment. On va vérifier de notre évidemment. Côté. D'ailleurs, allez-y, poursuivez. Alors, quand vous dites pourquoi cette objectivité. Moi, encore une fois, moi, je reste sur ma ligne. Il y a une indépendance de la presse en France. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas un l'article qui est sorti dans Le Monde le vendredi dernier. Est-ce que vous pensez qu'elle a été commandée ? Non, mais vous. Alors, vous êtes en train de déformer la question. J'ai dit ces derniers temps. Il y a un fait. Ces derniers temps, la presse française traite de la question algérienne. C'est normal. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait pendant le Hirak? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé des frasques des généraux? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé des tirputudes de la période Bouteflika? C'est énorme, mais c'est énormissime. Vous êtes en train de nous dire le monde dernièrement, mais c'est ce que je suis en train de dire. Alors, depuis peu, maintenant la presse française s'occupe beaucoup de la question algérienne. Parce que, mais avant, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'il y a un fait important qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est les déclarations de Macron. Du coup, ça a remis l'actualité algérienne en pôle position. Mmh. Évidemment, on est en France. C'est un président de la République française qui fait une déclaration. C'est normal. Non, mais c'est normal. Alors, je vais vous poser une autre question. Je vais vous poser une autre question. Un choix. Jamel, j'ai pas fini de répondre. Non, attendez. Là, il y a un problème. Vous pourrez rajouter à votre démonstration. El Magharibia, en tant que média très important en Algérie, qui est au cœur de ce qui est en train de se passer en ce moment, a été chassé de Telsat, vous le savez très bien, dans un sale coup, si je peux appeler ça comme ça. C'est sur une connivence entre l'État français et le régime algérien. Oui. J'assume ce que je dis. Est-ce que les médias en ont parlé ? Français. Est-ce que les médias français en ont parlé ? Je vous laisse poursuivre, allez-y. Jamel, moi je ne connais pas ce dossier, je ne peux pas me prononcer dessus. D'accord. Ça c'est la position de El Magharibia, vous êtes journaliste de El Magharibia, et vous faites bien de le rappeler si vous avez évidemment les éléments. Je n'ai pas ces éléments, je ne peux pas les avancer. D'accord. Néanmoins, je pense que vous avez été cité dans le dernier article sur Le Monde. Je parle pas de maintenant. Pourquoi ils l'ont pas fait pour avant répondre, je n'ai pas la réponse. Pas à seulement ça. Le Maghrébia, tout ce qui concerne l'Algérie. Non, alors pardon. De février jusqu'à décembre 2019, l'actualité algérienne a été couverte par la presse française. Ah bon ? Bien sûr. Le Hirak a été couvert par la presse française. Ah bon ?
Bien sûr. Un article tous les cinglinglins. On n'est pas le centre du monde. Ils ont d'autres articles à couvrir dans le monde. Il y a le Moyen-Orient. Oui, mais pourquoi maintenant couvre-t-il autant? On n'est toujours pas le centre du monde. Je viens de... On n'est pas devenu subitement le centre du monde. Mais parce que il y a le président de la République de ce pays-là, on se trouve, qui a dit des choses et pas des moindres. Qui a décidé que nous sommes devenus le centre du monde? Absolument pas. C'est venu lors d'une réunion dans la perspective de la commémoration du 17 octobre 61. Il était en réunion avec des étudiants et des Algériens et des descendants de Harki ou de Moudjahidin. Et cette discussion a pris, c'est une réunion qui a duré 2 heures, suite à un déjeuner, à un café, à une discussion entre Emmanuel Macron et ses étudiants. Qui avec la présence du monde. C'est normal, il y a toujours la présence de la presse. Non. Avec... On a invité le monde, seulement le monde. Jamel. Allez-y. Jamel. Il n'y a aucun déplacement, aucune activité officielle du président de la République française où la présence d'un média n'est pas là. Il y a la présence du monde parce que, quand vous dites, c'est le journal Le Monde. Il a le prestige qu'il a, alors il accompagne le président de la République française. Alors pourquoi aujourd'hui ça revient en actualité dû à cet événement qui n'est pas des moindres et que il a dit ce que nous disons depuis 60 ans, et bien comme c'est une parole officielle du président de la République, ben la presse française s'empare de ce que dit le président du pays où il travaille. Donc, c'est normal. Donc c'est la presse française est un peu comme la nôtre. Ils attendent que le chef de l'État... Attendez. Mais c'est un événement. Ils couvrent un événement. Alors ils attendent que le chef de l'État dise quelque chose pour en parler. Mais c'est non, comme nous. Mais c'est pas... non. Ça veut dire que Macron ni un autre, ni un quelconque autre président français, personne n'a jamais dit que c'est un système politico-militaire. Mais là, je vous rejoins. Mais là, suffit que Macron le dise pour que toute la presse en parle. Absolument pas. Non, non, Jamel, non, ouais. Non. Il y a eu des articles. Donc, c'est la presse tablée. Non. Ouais. Non, on ne peut pas dire ça. On peut demander à la régie de vérifier. Non, je suis en train de vous suivre sur votre terrain. Il y a eu des tribunes et des articles sur plein de presse, ici en France, qui ont parlé du régime algérien et qui étaient complètement en désaccord avec la position française qui a évidemment été assez complaisante, même du temps de Bouteflika. Et il y a aussi des articles dans la presse française qui s'étonnaient du quatrième mandat, alors que Bouteflika était dans l'état que... Donc il n'y a rien de changé. La presse française a toujours parlé... La presse française a toujours parlé de l'Algérie. Il y a des pics et des creux de vagues. Sur cette question-là, il faut quand même être un peu... Revenir. Vas-y, Mohamed. Donc pour répondre à la question... C'était juste par rapport pour intervenir sur la nature de la presse. Il est absolu et tellement évident que le choix de l'information est politique. Le choix de l'événement qu'on couvre est politique. Le choix de l'importance qu'on donne dans notre journal télévisé, dans ce qu'on couvre dans n'importe quelle agence, est politique. Rien n'est pas politique, rien ne sort du politique. On couvre des événements politiques, non ? Très bien. Donc si on dit ça, c'est qu'en France, on peut être indépendant de l'État, mais on n'est pas indépendant de ce qu'on appelle la majorité qui gouverne. Quand en France on a une majorité de droite, on voit que des têtes importantes sur des agences aussi importantes prennent la télévision française, la radio française, changent à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est que un gouvernement, ça fait partie de l'alternance. Donc Vous parlez des médias privés ou publics ? Public. Ah bon ? Bah oui. Macron change le PDG de Radio France. Hollande l'a fait avant lui. Sarkozy l'a fait avant lui. D'accord. Donc, on va revenir au plus important. Pourquoi en ce moment est important ce qui se passe, ce regain d'intérêt pour l'Algérie est important? Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes pour la France, qui dépassent même l'Algérie, qui sont le Sahel, qui est aussi plus important que ce qui se passe en Algérie. Vous savez tous, vous avez suivi, que la Russie a commencé à entretenir même il y a un contrat qui presque sous peu va être signé entre le gouvernement malien, entre la BA et la Russie pour déployer les forces
de Wagner en Russie. Et on a vu même le ministre de la Défense français critiquer en public pour la première fois et traiter Wagner de mercenaire, alors que la France a opéré de la même manière en Afrique plusieurs fois depuis la vague de la décolonisation. Donc ce qui est important, c'est que l'Algérie actuellement n'a pas condamné cet accord entre le Mali et la Russie, que la Russie a commencé à pénétrer d'une manière importante l'Afrique, que la France, elle est en train de se désengager de l'Afrique. C'est le sous-bassement du conflit, de la crise qui se passe entre l'Algérie et la France. Sinon, AFP et compagnie, moi, je ne donne pas beaucoup d'intérêt, parce que l'AFP et d'autres, et consorts, n'ont jamais critiqué la collusion entre le système français et les généraux en Algérie depuis les années 90, n'ont jamais bougé un doigt. Je vais juste finir. Hollande, comment s'appelle le Premier ministre qui était juste avec Hollande, qui était voir Bouteflika mourant et qui disait qu'il était intelligent. Heureusement qu'il y avait certains médias et qu'on les a même tapés sur les doigts, qui sont sortis, qui ont vraiment décortiqué comment Bouteflika était vraiment mouvant, il bougeait rien, mourant, et qu'il était vraiment dans un autre monde. Donc tous ces officiels français ont soutenu Bouteflika. Rappelons au début du Hirak que la décision française... Ça, c'est indéniable. Oui, laissez-moi finir. Faisons la séparation. Oui, justement, moi je parle de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Que la décision officielle française était, au début du Hirak, de soutenir la feuille de route de Bouteflika, qui était de garder le pouvoir pendant un an et proposer des modifications que Macron avait dit que, voilà, la feuille de route de Bouteflika était une feuille plus ou moins courageuse. Et que ce Macron lui-même, il soutient Tebboune, qui était, que tout le monde sait, que même Macron était gêné de féliciter Tebboune. Il était le chef d'État presque le plus en retard dans le fait de féliciter Tebboune. Oui, il a dit « je prends acte ». Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il y avait un mouvement qui était très gêné. Donc, du côté français, il y a une réelle politique. Il n'est pas... Il faut souligner. Non, mais la presse, Mohamed, la presse. Oui, mais pourquoi la presse, vous avez très bien rappelé, par exemple, l'alacrité de Hollande, de Valls. Pourquoi la presse, à ce moment-là, n'a pas dit, mais c'est une scélératesse, c'est une forfaiture de la part de Hollande d'avoir dit que Bouteflika réfléchit, s'occupe des problèmes du monde, il est d'une alacrité qu'on n'a jamais vue. Ils n'ont pas dit un mot, alors que c'est une complicité de prise d'otage. La presse. Pourquoi n'ont-ils pas parlé que maintenant, d'un seul coup, ils se réveillent ? La presse française. Est-ce seulement le côté Sahel ? Est-ce seulement le prétexte Sahel ? Non, mais la presse française, comme n'importe quelle presse dans le monde, elle obéit à un contexte, à un agenda politique local. Pour ce qui est de l'international. Non, mais actuellement, c'est local. Ce qui se passe actuellement, c'est les élections en France. Ouais. On est à quelques mois des élections en France. Que Macron est sur une période qui est très compliquée. Que, voilà, ils n'ont pas le choix de ne pas suivre cette tendance. Donc, parler de l'absolu, que la France, que les médias français ne sont pas politisés, c'est une absurdité. Il faut pas rentrer dans ça. Donc, les médias français, comme n'importe quel média, ont des lignes éditoriales, on choisit bien sûr l'information qui passe le mieux. En ce moment, il y a une crise diplomatique entre l'Algérie et la France. La France manipule très bien cette crise pour plusieurs intérêts, pour un agenda local et un agenda bien sûr international. Mais l'agenda local, c'était toujours jouer sur le 17 octobre, tout ce qu'on peut dire, une mémoire, des plaies qui sont encore ouverts à l'histoire de la colonisation. On sait que Zemmour fait de son cheval de bataille l'étranger et l'Algérie, entre autres. Donc, il était obligé d'hausser le temps, d'aller chercher, entre autres, les électeurs de la droite. Donc, ce qui fait que Macron, il est rentré de plein pied dans ce schéma-là. Et ça s'ensuit. Les médias étaient obligés de relayer ça. Et on arrive à... J'aimerais dire deux mots. Oui. Deux mots, Smahli. Oui. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, vous allez avoir chacun deux minutes. Ce sera... le mot de la fin. Sur la question donc de la presse française, qu'on n'a pas à comparer avec la presse algérienne, bien entendu. Ce n'est pas comparable du tout. C'est incomparable. Mais pour bien comprendre ce qu'est la presse française, il y a un livre qui a été écrit par Serge Halimi, qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » et qui a été publié en 1997 et qui a été republié en 2005 et qui a été annoté, qui a été préfacé par Pierre Bourdieu. L'un des plus grands sociologues. On ne le présente plus. Voilà. Et qui démontre effectivement les connivences qu'il y a entre le pouvoir politique
et bien entendu les médias, le pouvoir économique, ouais, le pouvoir de l'argent. C'est une étude exhaustive et qui montre effectivement comment, comment la télévision et comment les grands journaux, ils sont effectivement total, mais totalement sous l'emprise, sous l'emprise. Privé. Non, 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 non. Privé. Non, non, non. Je parle d'un livre. Il y a une connexion. Pas d'un livre, il faut le lire. Il faut le lire. Il y a un autre. Il y a un autre. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi une étude, un documentaire qui a été fait par, par deux autres journalistes sur, sur, sur les médias. Patrick et Rothman, je ne me souviens pas du titre. Il y a aussi tout un documentaire qui a été fait par Mediapart. Bon. Et où on dit effectivement qu'il y a une dégradation de la qualité donc de, donc des médias en France et dont le naufrage des journaux, de la vente donc des journaux au profit effectivement de la presse sur Internet est à l'origine. C'est-à-dire que la dégradation, donc la qualité de l'information est à l'origine. Voilà, donc il ne s'agit pas de... Encore une fois, je ne compare pas avec la presse algérienne, c'est autre chose. Oui, on parle de la presse en France qui n'est pas... qui n'est pas indépendante. Ces études de gens sérieux, c'est des études exhaustives. Oui. Moi, je m'étends de ça. Je m'inscris pas sur cette ligne. Mais avant que Benhimer critique une agence de presse, je tiens à rappeler que l'APS a sollicité Jean-Charles Jaufré pour une interview. Alors sollicitée. Alors par l'APS, faite par l'APS et censurée par l'APS parce que il n'est pas allé dans leur sens dans les réponses. Absolument. Alors avant de critiquer une agence indépendante comme l'AFP et de renom international, il faudrait quand même commencer à balayer devant sa porte. Voilà. APS qui a même retiré des dépêches qu'elle avait publiées sur les ordres d'une partie du régime et qu'elle a retiré sur les ordres d'une autre partie du régime. Mohamed Benessa. Oh, moi, je dirais que c'est encore un énième épisode dans le feuilleton que le régime est en train d'écrire en ce moment pour encore éloigner l'opinion publique algérienne des vraies questions. Les vraies questions, c'est les questions sociales et politiques. Actuellement, vous avez traité de ça hier, on en a parlé aussi à plusieurs reprises, le budget avec 30 milliards de déficit et les questions politiques, la liberté de la presse, la liberté individuelle et collective qui a régressé pire que la période et l'époque de Bouteflika, c'est ça la réalité. La Harraga, qui est une réalité qu'on ne peut jamais la cacher dans le monde d'Internet actuellement, que le Harraga, que le citoyen algérien et français et par ailleurs, est devenu ce qu'on appelle le citoyen journaliste. Que chaque citoyen ou chaque individu a son téléphone, a accès à Internet, a accès à l'information qui peut lui-même se transformer en journaliste. Donc je dis que ce pouvoir va droit dans le mur, certainement. Nous, à notre niveau, on alerte nos concitoyens algériens en leur disant attention, ce pouvoir ne va pas vous protéger, parce qu'il y en a qui rentrent dans ce jeu. Donc attention, c'est du leurre. Le plus important, c'est la liberté. Avant de parler d'étrangers, il faut qu'on construise un pays basé sur l'individu et la liberté. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais rajouter juste un point, parce qu'on est à la veille donc, du 1er novembre, on organise le samedi, avec d'autres organisations du Hirak, on organise donc une table ronde et de débat donc, sur le 1er novembre, date historique de rupture, mais une révolution inaboutie, et puis l'après-midi, donc c'est à partir de 10h, c'est à la Bourse de travail de Saint-Denis, donc la salle Louise Michel, et l'après-midi on fait aussi donc, une deuxième table ronde, donc au même endroit, sur le Hirak, donc bilan et perspective. Donc il y a six représentants d'organisations qui vont débattre entre eux et avec les citoyens. La journée, c'est samedi 30, de 10h à 18h. Louise Michel, métro, à la Bourse du Travail, métro Porte de Paris. Saint-Denis, Porte de Paris. Et puis le 31, la manifestation du 1er novembre. Le 31,
la manifestation est importante pour la diaspora et pour l'Algérie. Et aussi le 30, on organise aussi une autre journée d'études à Paris, dans la librairie La Résistance, qui va traiter du bilan du Hirak, le Hirak 2021, quel bilan et quelle perspective. Quelle richesse. Donc il y a multitude d'activités. Rappelez la salle. À la librairie de La Résistance. Il y a plusieurs personnalités qui ont été invitées. Plusieurs personnalités. Et le public est convié, bien sûr. Est ouvert à tout le monde. Et quel métro? Métro Guimauqué. Guimauqué, même journée. Même journée. À partir de quelle heure? De 13h. 13h. Je salue les deux initiatives. Effectivement, il faut être nombreux le 31, mais il faut quand même terminer sur tout ce que nous vivons nous dit long sur la nature du régime. Absolument. Donc, mes chers amis, merci beaucoup. Pardonnez-nous s'il y a eu quelques petits couacs aujourd'hui. Nous nous en excusons. Bien sûr. Les échanges ont été un peu... chaud. Diria. C'est un débat. C'est très bien. Alors, Mohamed Ben Issa, merci beaucoup. Mourad Ifsah, merci beaucoup. Samir Hiyoui, merci beaucoup. Chaben Qassi, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaou ala khair. Salama. Merci.